Coucou et bienvenue à tous pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons jeter un petit mais bon coup d'œil à l'événement des monstres. Je n'y ai pas encore touché de la journée. Hop, on y va. Nouveau bêta en cours. C'est parti les gars. Hop, petit screenshot. Ça reste beau. Sur une île isolée entourée de brume et de mystère. Jurassic Park! Non, c'est pas ça. Voici donc l'île cachée. Après tant d'expéditions ratées, nous l'avons enfin trouvée. Si cet endroit est si bien caché, j'imagine que ce n'est pas pour rien. J'entends toutes sortes de bruits étranges et l'atmosphère empeste le danger. Mais non, c'est toi qui empestes après toutes ces semaines passées en mer. C'est l'endroit idéal pour aller à la chasse aux monstres et aux trésors. Ok, île aux monstres, bienvenue. Sur l'île aux monstres, explorez tout, trouvez les trésors, éliminez des ennemis avec votre alliance, compte tenu du niveau du titan, très bien, votre difficulté est difficile. Ok. Mais ça veut dire qu'il y a genre très facile, facile, normal et s'il y a combien de difficultés possibles? Dites-moi dans les commentaires votre score de titan et votre niveau de difficulté. Ça, par contre, serait vraiment intéressant à savoir. Je vous le dis le mien là juste après. Pour explorer l'île, vous devez préparer votre équipe d'attaque. Vous pouvez ensuite la modifier au campement. Priorité de l'île de monstres. Les dégâts subis sont conservés d'une attaque à l'autre. 20% des dégâts subis sont permanents, ne peuvent pas être soignés. Ah ok, par exemple, si je subis 100 de dégâts, de ces 100 dégâts, il y en a 20 qui seront en soins réduits. En PV réduit, pardon. Les ennemis infligent 100% de dégâts supplémentaires aux héros qui ont des sbires. Ok, donc là, mon petit pingouin, c'est peut-être pas ce qu'est top. Lorsque un héros est ranimé par une compétence spéciale ou un objet de combat, après avoir été vaincu, cette centième action est réduite de 50%. Ok, ça c'est cash. L'héros appartient à la famille, mais j'ai pas de famille, du coup, je vais pas trop m'y attarder. Mais ceux qui appartiennent à l'île de monstres ont plus 1% d'attaque, de défense, de santé, dégâts réduits de 50% et peuvent avoir jusqu'à moins 30% de défense infligée de façon permanente aux ennemis. On voit les PV apparaître. Ok. Sachant que les sbires sont proscrits. Ça m'embête pas mal. Une équipe d'attaque. Du coup, qu'il y a plus de sbires, ça me remet tout en question. Alors, je vais prendre Faline avec Dandré. Dandré, c'est un bon soin qui va booster, je pense. Ça ferait deux jaunes en même temps. Ensuite, je vais prendre Alexandrine, Skadi. Je crois que j'ai deux personnes qui frappent sur trois. Tac, je serais quand même tenté de mettre Devana, il y a juste elle qui a le sbire, c'est pas si grave. Ça me fait un debuff, et puis j'ai 2 2021. On va faire ça. Par contre, du coup, je m'entends avec deux soigneurs. Ça, par contre, c'est totalement idiot. Je vais peut-être revoir un peu ça, par contre. Alors, tac. Qu'est-ce que j'ai en bleu qui cogne bien? J'ai Grim, plus ou moins. Et j'ai Grim. Ou alors en jaune, qu'est-ce que j'aurais de beau? Ah, j'ai Gullinbursty, si je veux des gens qui boostent des PV et pas seulement du soin. Pourquoi pas? Ça, j'ai deux frappeurs, trois frappeurs et deux supports. Alors, tac, 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 ok, tac, tiki, tac. On va voir ce que ça donne. Appliquer. Et voilà, j'y suis. Ah ça c'est le chat de l'île aux monstres. Ah d'accord, du coup c'est stylé, il y a deux chats. Il y a le chat qu'on connaît tous et il y a le chat de l'île aux monstres. Pas mal. Du coup, notre score titan à nous, où est-ce que tu te caches Alliance. Score, voilà, score titan à nous, c'est de 51 384 et nous sommes en difficile. Ok, c'est pour en savoir.
Les options, qu'est-ce qu'on a ici? Yu-Yu a trouvé un coffre au trésor, Diable, une horde au secteur F5, D4, F5, on dirait une pièce d'échiquier. Monstre suprême, horde, coffre au trésor, ok. Énergie de l'île au monstre 100, score de l'île au monstre 0, là pour l'instant je suis au campement, ça c'est ok. Alors, suivant là où je vais, ça peut bouger. Ok. J'ai 1000 énergies monstres, à voir comment ça fonctionne. J'ai apparemment aucun clé de coffre, aucun trésor, ça c'est. Ah ben voilà, qu'est-ce que je disais. Là on peut voir facilement, il y a facile, moyen et difficile, du coup on est au plus compliqué. C'est bon de savoir, du coup en facile, qu'est-ce qu'on a par exemple? On a une petite alliance qui. Ok. Donc il y a trois niveaux de difficulté. Ça c'est. Oh oui, wow! Ah oui, j'ai. Ah oui, c'est. Ah oui, wow, Cornel, il a pas perdu de temps. Lui, il est déjà sur le. Wow! Ok, du coup, on peut aller vraiment un peu tout partout. TGR qui est là-bas, d'accord. Flyron qui est ici sur un giga méga. Ok. Ça me coûte 20-24. C'est dangereux de détruire l'ennemi pour la libérer. D'accord, ok, donc ça c'est cool. Relique, l'alliance n'a pas encore trop de reliques actives. Les reliques renforcent votre équipe lors des batailles au lit de monstres. Vous pouvez trouver dans les coffres des reliques, ça ok. Mode d'observation. Où était là aussi, j'ai un monstre. Dragon chauve-souris. Là aussi j'ai un monstre, ça c'est des hordes, il reste 20 monstres sur 80, du coup je pourrais la finir d'achever. Ok. Voilà, il y a un coffre. Et qu'est-ce qui m'empêche d'accéder au coffre? Alors j'ai le mode d'observation, si je vais ici par exemple. Attends, mais j'ai pas de clé pour ouvrir les coffres. Ouais, je suis mignon. Ok. Ok. Alors. Où est-ce que je vais squatter? Ici, il reste 8. Est-ce que j'irai? Ah bah, apparemment oui. Bon bah, ok, autant pour moi. Tac, 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 tac. Ah bah, maintenant que j'y suis, bon, autant attaquer. On attaque. Ah, ça me coûte de l'énergie de me bouger et attaquer. C'est deux choses différentes. Ok. Il reste 8 monstres. On va voir comment ils sont. Ok. Alors, j'ai. Ah, si, j'ai un temps limité, autant pour moi. Wow! Oh oui, c'est des monstres. Oui, ils sont pas mal, là, quand même. Et j'ai pas fait gaffe aux objets que j'ai, mais les objets que j'ai, c'est n'importe quoi. J'ai deux antidotes. Inutiles. Ils font pas si. Wow, ah ouais, wow. Ah oui, on est. Wow. Oh oui, wow, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Je vais voir là, 8 monstres là? Ah ouais, wow, ok. Bah, très clairement, je suis deg de pas avoir les bons objets. Oula. J'aurais mis aussi la scaly normale, parce que là, du coup, ça aurait été beaucoup plus clean. Ouais. Déjà ça. Déjà ça ensuite. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, là je suis pas bien. Là je suis pas bien. Là je suis pas bien du tout. T'es comme on dit, j'ai pas fait gaffe aux objets que j'ai. Là par contre, j'ai un start très 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 mauvais. Là franchement, ne faites pas ça chez vous. Purée, purée de chez purée. Allez hop. Tac. On en a eu un. Allez hop. Lui t'es presque mort. On va t'achever. J'aurais plus cher avec ce qu'il a dit. Mauvais jeu de ma part. À quoique.
Peut-être que ce qu'il y a de pouvoir en acheter quelques-uns. Est-ce que ça me fait des cumuls? Yes! Parfait, ça c'est cool. Ils ont des dots un peu partout. Voilà. Est-ce que la santé réduite, je peux réussir à l'augmenter du coup avec mon Golem Bursty? Ou pas du tout? On va voir ça. Alors, je peux augmenter ma santé, mais en même temps, je ne peux pas augmenter la santé qui m'a été réduite, mais je peux quand même l'augmenter. Donc, c'est un peu chelou. Ok, j'ai gagné un truc. Ok. Inexploré. Ah, maintenant, faut que je. Ah, d'accord. Ok, maintenant, ça va être juste à moi d'aller un peu. Un peu où je veux, un peu partout. D'accord, ok, mais on voit le concept. Par exemple, si je vais dans l'eau et que je fais un double clic, qu'est-ce qui se passe? Ok, rien du tout. Si je vais là, toujours rien. Ici, ici. Ben, j'ai un coffre, mais j'ai pas de clé, c'est dommage. Par ici, par ici. Ah, là, je dis ruine, mais il n'y a rien. Ok, alors là, cache en train de tracer droit. Est-ce que j'irai pas un peu plus haut? Essayer d'aller au petit truc qui est en haut, voir ce que ça donne. Par contre, l'énergie, elle part vite. Soit j'ai vraiment pas de bol, ou alors c'est qu'il n'y a rien du tout. Qui est le chef promotion de l'événement, récompense, liste de héros. De l'info de l'Alliance, ok. D'accord, mais du coup, les PV, les trucs réduits, ils les ont toujours. Ok, je vois le délire. Ah, une horde. Alors, du coup. Alors. Mince, les objets, je peux les changer qu'au campement. Ah non. Ah non, les gars, me dites pas ça. C'est-à-dire que là, concrètement, si je veux revenir au campement, genre là, 34 énergie, non, les gars. Après, si je reviens pas, je vais être mal. Dans tous les cas, donc, on va quand même revenir. Sinon, dans tous les cas, je vais être mal en termes d'énergie, en termes d'objets et de tout. Je préfère gaspiller, je porte 34 énergie pour être sûr de faire un bon combat d'horde que l'inverse. Objet rechargé, ok, du coup. Là, nickel. Alors, faire un peu de ménage. Alors, un petit ouragan avec une petite tornade, c'est déjà pas mal. Mon équipe va plutôt mettre ce qu'elle dit qui frappe sur tous les ennemis. Et vu que là, bah, les ennemis, on en a. Voilà. Je pense que ça va pas être mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui frappe tous les ennemis qui serait intéressant? Ou alors, oh, lui, ce serait une tuerie. Lui, ce serait une tuerie de l'avoir. Alors, du coup, on va faire tac-attaque. Suivi de lui qui fait aussi tous les ennemis. Ça, j'ai. Ils font tous les ennemis. Ça devrait être bien. Là, franchement, si j'ai compris comment ça marche, là, je devrais être bien. Alors, du coup, on retourne là-bas. Est-ce que pendant que je me déplace, je peux genre activer la musique ou recommencer? Oh là 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 là, pas si fort, on n'est pas sourd. Hop. En effet, je suis revenu. On va faire une petite attaque, voir la musique.
Stylé. Je vais pas le laisser trop longtemps, sinon ça va me faire problème pour les droits d'auteur encore. Oula. Et yes, ça par contre c'est balèze, ça attaque tout le monde. Et ça par contre c'est beau. Bon les gars, il n'y a pas photo là, les ennemis qui attaquent tout le monde, ils ont très clairement, ils ont un plus. Hop. Hop. Hop, et rebelote. Puis là, déjà le puzzle il est beaucoup mieux que tout à l'heure et en plus j'ai mieux compris comment ça marche. Bon là c'est bomberop. On va attendre qu'il y en ait un peu plus qui arrive. Attends une seconde. Oh, c'est bien ça. Tac. Voilà. Alors, il faudrait attendre qu'il y en ait un de plus à gauche pour que l'attaque part également sur celui de gauche. Ça serait cool. Alors, c'est pas encore ça. Bon, en tout cas, ma foi, pour le moment, je me débrouille sans. Hop. Rebelote. Hop là, tac. C'est les quatre derniers. Ok, ça c'est bon à savoir. Du coup, tac, tac, tac. Alexandrine commence à être très 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 short là par contre. Ça devient tendu, tendu. Oh, les arrêts de temps, ça m'aurait été en fait une grande utilité. Oh bah yes. Alors là, qui me fait déjà ça de régler. Est-ce que je repars dessus ou est-ce que j'attends? Sachant que là, ça va être... Ah mince, quel idiot, est-ce que je repars? Bon, on va tenter. On va faire une seconde fois. Wow, on va se calmer. Parfait, là il y a pas mal de monde. On va envoyer la sauce. Alors. Si c'est pas beau tout ça? On a presque clean toute la vague d'un seul coup. Voilà, ça dégage. Magnifique. Oh là là. Ça gâte un petit peu. Alors, tac, tac, tac.
Qu'est-ce qu'il me reste? Mais tu dégages tant qu'à faire. Ça c'est fait, il ne me reste plus que quelques-uns. Tac, tac. Hop. Voilà. Tac, tac. On refait un peu de ménage. Hop, tu dégages aussi. Voilà. Voilà, hop. Magnifique, mais nickel, ça se fait tout seul. Ça c'est fait. Augmentation de coût d'énergie plus 30, est-ce que ça augmente parce que c'est moi qui attaque? Encore. Je pense faire une dernière attaque et ensuite je vais revenir au campement et j'irai explorer ailleurs. Il y a une petite musique là. Elle est assez drôle. Est-ce que je me tente? Quand même très juste en termes de PV. Est-ce que je me tente quand même? Allez go, quitte à être là, faisons le bien. Tac, voilà, c'est pas mal. J'oubliais ce détail que les tornades et les objets, il faut que je revienne au campement pour qu'ils rechargent. Voilà, par contre, ça sent pas bon. Allez, essaye de tenir un petit peu. On va charger ça. Voilà, je suis pas bien. Non, 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 je voulais pas faire ça. Ça va. Allez, hop. Dégagez-moi tout ça. Allez hop, reblotte. Là, ça c'est clean. Voilà. Tac. Est-ce qu'après je le fais cramer encore? On va attendre. Nickel. Vas-y, crame. Et j'ai plus d'objets là par contre. Ouh, alors, tac tac. Et tout ça veut que ça dégage. Yes, parfait. Toi, tu vas dégager, j'ai pas trop le choix. Ah, même s'ils sont espacés, ça les touche sur tout le monde. J'ai pas besoin qu'il y ait quelqu'un littéralement entre les deux. Ça, c'est bon à savoir.
Il ne me reste plus qu'un seul ennemi. Enfin, que deux théoriquement. Là. Là, il va pas le toucher sur quelqu'un d'autre. Non, ah ouais, d'accord. Ouais, là par contre c'est mort. Là c'est mort, là par contre. Là j'ai que dalle de. Non, là c'est mort, j'ai que dalle d'objets. J'ai que dalle de PV, là c'est Mortimus. Ok, ben on. Qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir en campement. On peut pas skip. Et après être revenu au campement, on va refaire le plein d'objets de cette façon. Et ensuite, pour terminer, on va bastonner un giga monstre. Celui-là, par exemple, on va voir qu'est-ce qu'il est. Je vais recharger, parfait. Ils sont toujours aussi mal. Je voulais d'abord voir qu'est-ce que c'était. Bon, tant pis. On va s'attaquer à un grand monstre. Alors, monstre suprême. Alors, tu es un sacré. 100% sur tout le monde. Ses ennemis reçoivent pas pendant 4 tours. Et tu ressens. Ok. Un kaiju. Ah, un kaiju! Ah, c'est comme dans. Dans Godzilla, il y a des kaijus. Et aussi dans. Ah, j'ai oublié le nom du film dans. Des kaijus de niveau 3, 4, 5. Pacific Rim, voilà, c'est ça, dans Pacific Rim, les kaijus aussi. Ah, c'est stylé. Stylé, stylé. Ouais, bah du coup. Bah du coup, non. Je vais revenir ici, je vais mettre une équipe de jaune du coup. Et voir ce que ça donne. Bon, en tout cas. Hop, si je clique sur camper, il se passe quoi? Ah bah je suis là-dedans. Alors, modifier l'équipe. Alors en jaune, il nous faut Kara. Il me faut Wukong. Il me faut toi. Il me faut bien sûr toi. Et pour conclure, qu'est-ce que je peux avoir de plus? Critique, défense élémentaire, défense en général et Motega. Alors, en termes d'objets, on va prendre un arrêt du temps. Et est-ce qu'on se prendrait pas un petit fun? Allez, pourquoi pas un petit parchemin d'altération? Vraiment, pour le fun, c'est très très rare d'utiliser ces objets. Les gars, on est parti pour faire du lourd. Ah les gars, attention, moi je vous dis, ça va faire mal. Là franchement, il a intérêt à bien se tenir. Alors j'ai 1 minute 30, exactement comme un titan. Est-ce que je. Vous voyez aussi ce que je vois? Je suis parti en mono jaune alors que le mec il est jaune. Genre dans ma tête, j'avais l'info, il était jaune. Mais j'ai pas fait ce qu'il fallait. Est-ce que j'ai le seum? Mais totalement. Oh mec, tu t'es pris pour qui? 1400, on va se calmer. Alors, tac, tac et tac. Ah, par contre, j'ai le seum. Franchement, là, j'ai été un idiot complet. Là, franchement, j'ai aucune excuse. Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? À couper au cas où. Ah ouais, non. Non, là, j'étais pitoyable, les gars, ça se fait pas.
Ouais, non. Bon, bah c'est pas la meilleure note pour terminer, mais. Ah non, là j'ai le seum. Là par contre, les gars, j'ai le seum. Je vous le cache pas, j'ai le seum. Bon, bah c'est tout pour le moment. J'espère que ça vous a plus ou moins plu, la découverte. En tout cas, c'est sympa. Il faut que je me fasse. Là, j'ai fait plusieurs erreurs nulles. Donc, il faut que je m'adapte un petit peu plus. Mais c'est pas mal, franchement, j'aime bien. En tout cas, moi je vous dis à très vite, prenez soin de vous et de vos proches. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de l'île aux monstres? Moi je le trouve assez drôle, ça change beaucoup. Je vous dis à très vite et ciao ciao!